Voilà, recoucou tout le monde. Si j'ai pas fait de bêtises, j'ai. J'ai la monnaie si j'ai pas fait de bêtises. Ouais, pourquoi mon jeu il marche pas? Ah. J'ai la monnaie. Oui, et puis la webcam est revenue, la capricieuse. En fait, j'avais du jeu dans le câble. Tiens, lui, je l'ai pas incarné, lui. On va le faire. Un petit spell lucky pendant une grosse demi-heure, et puis on ira chez Funfanounet faire du sang-froid en commenté. Enfin, surtout que je le guide. Les meubouilles. Alors, évidemment, je sais déjà plus comment on joue. Tout va bien. À moi la tunasse. À moi la tunasse. Arr. Chachi chachon. Ah ouais, j'ai bien fait, il y avait une araignée dedans. Il y avait une vilaine araignée. Oh, c'est honteux. J'aurais dû. Oh, la vilaine, elle m'a touché. Deux fois. Trois fois. Elle va me buter. Elle m'a buté. Aïe 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 aïe. Ah merde, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je vais y arriver. Doudi douda. Merde, mais non. Oh là là. Nimp. Je fais n'importe nawak. J'ai presque déjà envie de vous dire. Heureusement que je fais qu'une petite demi-heure. Parce que je fais de la merde. Bref, j'espère que vous qui visionnez ma vidéo en différé, et ceux qui vont arriver en direct dans le chat, bah vous allez tous bien. Et je vous change les idées. C'est la guerre. C'est la guerre thermonucléaire. Aouh. Je joue comme un gros naze, hein, je suis honteux de ma démonstration. Alors, on va dire ça dans les heures. Je fais n'importe quoi. En fait, je me mets pas la pression et du coup, je fais n'importe quoi. Alors que c'est un jeu qui se joue avec pas mal de concentration. Ah merde, là il y avait un. Oh et oh. J'ai quand même un lingot. J'ai cru entendre en haut le. Ouais, mais comment l'atteindre? Eh oui! Il est là-bas, le blondinet! Oh! Je sais plus, le boomerang, c'est redoutable. Merde. Oui, il descend avec mon ombre. Exactement. La question est, c'est où est-ce qu'il faut aller? Faut peut-être qu'on se barre. Merde! C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, non, mais il est complètement pété, le. Il est complètement pété, le. Le boomerang. Il est pété. Attends. Quand je l'aurai. Voilà, merci. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais. Oh non, l'autre il est déjà là. Oh. J'ai de l'abus. J'ai un boomerang. Oh, le petit bijou du blondinet. Oh, la tunasse. D'entrée de jeu. J'ai de la tunasse. De la tunasse.
Oh. Oh merde. Oh. Tiens, tiens. Bah, je le retrouverai tout à l'heure, mon langue. Oh merde. Nous avons un marchand. C'est pas comme si je m'en étais mis plein les fouines. Ah ouais. Ah ouais. Hello, Mr. Bomb. Après James Bond, nous avons James Bomb. Ah oui. Ah merde, j'ai pas cette thune. Ah, je veux me doucher dans les bombes. Heureux, Fun Fan. Ça va, bien manger? Ah, moi j'ai mangé vachement sain parce que j'ai mangé pommes de terre et champignons. Avec un petit peu d'ail et de poivre. Ouais, bien, c'est cool. C'est bien. Oula, j'ai la mort. Oh non. Il y a l'araignée mère. Oh non. Oula. Ah là, voilà. Ce qui devait arriver, arriver à Rio. Simuche, revenir au début. Ah, je pensais que le caillou en retombant sur la jarre allait la briser, mais non. Non. Non, je suis déception. Change de signal vidéo. Comment ça? Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est pas... Le jour n'est pas venu. On voit ta tête. Ah, merde. C'est tout moi. Non, c'est pas changer de signal vidéo, mais oui, pardon. C'est ce qu'on appelle une scène. Une scène dans OBS. Oui, je vous avais mis ma tronche. Oh merde, ça fait 10 minutes que vous voyez ma tronche. Oh, je suis désolé. Excusez-moi, merci de m'avoir... C'est tout moi, vous le savez. C'est bon, bref. Désolé. Mickey, on reprend. Je vais peut-être déjà avoir un regret de ne pas être là-bas. Aïe, j'ai loupé. Ah, bonjour Bastos. Oui, c'est ça, je vous fais toute une scène. Merci à toi d'être là, mon cher Bastos, que je t'ai enfin fait un coucou sur ta chaîne hier. Parce que ça devait faire 15 jours que j'étais pas venu te voir. Mais merci à toi d'être là. Oh, c'était génial. Avec Bastos... Pardon, avec Petit Seb, on s'est éclaté. On s'est éclaté comme des foufous. Non, on a bien rigolé. Donc, c'est de très bon augure. Je pense qu'on va faire un bon tandem. Voilà. Mais Starbound, déjà, va nous occuper plusieurs dizaines de samedis. Mais j'en doutais pas. Déjà, j'étais ravi qu'il me l'ait proposé. C'est lui qui est venu vers lui. Qui est vers moi. Oh, je suis plus parlé français. Oh, excusez-moi, on va mettre ça sur le dos de la fatigue de la semaine. Il m'a... Alors que je venais lui faire coucou sur son antenne, à un moment, il m'a dit « Ah, j'adorerais trop jouer avec toi, le sage, combien de copains sur Steam ?» Et puis, il a inspecté ma ludothèque. Il m'a dit « Ça, on peut tout faire ça en commun. » J'ai choisi Starbound. C'est un très beau jeu. Et c'est vrai que j'aurais pas été motivé avant longtemps de le refaire en solo. Alors qu'en coop, il est extra. Il se décuple dans ses qualités, Starbound. Ah non. Oh, comment je lui ai retombé dessus au squelette. Il était plus lourd que moi. Et la tête plus lourd que moi. Enfin bon. Non, mais c'est que du bonheur avec Petit Seb et... Et c'est de bon augure pour l'avenir, comme on dit. C'est ça qui est bon. Non, le marchand, il a rien qui m'intéresse, là, pour le coup, c'est dommage.
Attends, il y a quoi là? Ah non. Oh non, 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 je... Enfin, le coffre éventuellement... Ah! Je savais pas que je pouvais fouetter le coffre. Oh! Faut que je fouette plus souvent. Sinon, j'espère que tu vas bien, Bastos. Oh la malheureuse. Je peux la délivrer, mais... Oula. Oula, il s'est passé des trucs, là. Alors, la blonde, tu fais suer. La blonde qui fait suer. Voilà, merci. Elle en est restée stoïque tellement qu'elle était trauma par le être dans une toile d'araignée. Ah, elle va m'aider la blonde. Bon. C'est horrible. Pop. Allez la blonde. Non. Ouh. Ouh. Wouah. Ça pue. Merde. Ah bah j'ai merdé. J'ai merdé ma chute. J'aurais dû tomber sur le chapeau. Ah, regardez-moi cette violence post, post-décès. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Hop là. Ah! En même temps, elle est là-bas, c'est pas mieux. Comment ça va? Il y a un peu de tunas. Il y a quoi là? Oh le bougre d'abruti. Si vous n'avez pas compris ce qui vient de m'arriver, c'est que j'ai trouvé le moyen de lancer le caillou par accident. Parce que en fait mon ongle il a... Comme je vous avais expliqué, je suis un mec qui a des ongles. J'aime bien garder mes ongles. Et là ça m'a porté préjudice. Parce que j'ai raclé un autre bouton avec mon ongle. Ce qui fait que j'ai lancé le caillou et que je me suis assommé avec mon propre projectile. Mais bon, je suis plus à ça près. De toute façon, je ne fais pas de compète. Là, par contre, je suis dans la mouise. Je pensais qu'il serait monté, mais même pas. Aïe! Oh non! Ah! Pas de bol, le mec. Allez, je me barre. Tant pis, j'ai que 4000, mais... Je sais plus, dans la mécanique du jeu, on regagne une vie quand on sauve la blonde, le blond ou le clébard. Je crois qu'on regagne une vie. Nickel, merci, j'en profite enfin d'un samedi de repos. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah! Noir chez noir, il n'y a plus d'espoir. Ah bah c'est pour ça que t'avais dit que tu joues les prolongations sur ton direct hier soir. Eh oui. Voilà pourquoi. Ah, je gagne de la thune quand je rallume les torches. Putain, c'est original ça. Oh! Oh magnifique! Oh, ce lancer de jarre! Ah ah! Comment j'ai explosé le scarabée! Oh! 5000$! 5000$! Attends! Hey! Il vend des bombes, le marchand! J'ai des bombes chez le marchand! Ah! Ah! J'irai faire la bombe. Ça vaut pas le coup le coup du trésor, j'y crois pas du tout. Par contre... Ah, ouh, 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 toi-même. Oh!
Une pépite géante. Oh, un hôtel de Cali. Un hôtel de Cali. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie irrésistible de l'offenser. Parce que je peux sacrifier Clébar et avoir des cadeaux. Mais j'adore offenser la divinité, je suis terrible. Donc je vais poser une bombe et je vais me barrer. Elle va être furieuse. Vous avez offensé Cali. Du coup, il y a 40 millions d'araignées. Que je vais tout tuer comme ça. Non, merde, j'ai lancé trop près. Ah! Non. Ou alors, j'ose. Burp, burp, burp. Burp, 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 burp. Oh la classe! Non, comme ça. Trop bien. Trop bien, trop bien. Non! Il y a déjà le fantôme? Non! T'es sérieux, toi? Le fantôme est déjà là. Attention. Oh merde. Merci. Ah! Attends, ça a bougé. Ah, qui est con! Je me suis rendu difficile l'exploration. Oui, non, je vais pas perdre une carte supplémentaire. Ah ouais, les scarabées, 5 000 $. C'est... Wouh! J'ai de la tunache! Oh, j'ai que les niveaux spéciaux, c'est fou! Bah là, la torche, j'en ai plus besoin. Excuse-moi, mais... Merde, j'ai lancé une bombe. Ah, la blonde est par là-bas. Wow, ça, c'était du saut. Encore ? Merde, j'ai pas vu l'araignée, con. J'ai failli mourir comme un caca. Encore un hôtel de Cali, là. Oh là là. Je sais pas si la flèche était tombée. Oh putain, la bombe qui est en face là où il faut pas. Attends. Ah. Oh. Ah, c'est la fausse serpent. C'est la fausse ou j'ai pas. Ok, on est dans la merde. Mais non, mais... Ouais, joli. Joli, joli. Par contre, j'ai aucune idée d'où est la sortie. Ah merde, elle est là, con. Excusez-moi. Remarquez, j'ai plein de bombes, donc je pourrais... Attends, excuse-moi la blonde, mais... Oh non, ça, je vais perdre trop de bombes. Je vais... Ah, mais j'arrive plus à la... Blonde, merci. Ah non, elle est morte. Mais non, elle est pas morte. Si, elle est morte. Oh. Auprès de ma blonde. Oh, la malheureuse. Elle est moulue, la blonde. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, il est à jour le Wisebot. Le Wiseboot. Il est à jour le Wiseboot. Oh la vache. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais qu'est-ce que c'est que cette config de la mort? Hop, lancer de bombe, bam, dans ta tronche, boum. Oh oui, joli! Oh, magnifique ce strike! Superbe! J'ai libéré la voie. Je pouvais pas faire mieux. Oh, c'est trop la classe! Wise parle comme moi. Ah bon? Jibou jibou. Jibou jibou. Boum. Blah. Oh! Oh!
Non, bah je vais te faire péter. J'ai vraiment de l'intérêt d'avoir des bombes. Dès qu'il y a un vendeur qui peut vous fournir 12 bombes en boîte, il faut se vautrer dessus. Ah, attends, j'ai la clé du trésor, je vais l'acheter au loin. Bravo. Ah ! Se lancer de bip. Oh. Je suis monsieur Mr. Glue. Je suis Mr. Glue. Ah bah le coffre il est en haut, va te faire en papaouter, hein. J'en veux plus de ta clé. Ah oui, les bombes collantes. De l'intérêt stratégique des bombes collantes. Burp. Je sais pas si c'est non. Parce que si je me prends la flèche mortelle, c'est dommage quoi. En plus, on arrive à la jungle. Aïchi, bonanga. Wisebot m'a dit on peut dire que c'est la discrétion des développeurs. Ça aurait pu être toi qui aurais dit cette phrase. Oui, oui. Fui, fui, fui. Gigu, gubu, gubu. Ah, la jungle de la mort. Je sais pas comment les passer. Ils sont très moches. Ils sont très violents. Ah, c'est bien, ça me fait un escalier. Alors, il y a un Otalos. Mais, oh non. Oh, c'est horrible. Et puis j'ai plus qu'une corde. Je peux essayer de m'adapter au style. Faut parler comme moi. C'est juste l'enfer. Vert, mais c'est juste l'enfer. Oh là là. Là, je peux y aller. Ah! Ça va me sauver. Mais! J'allais me diriger vers la sortie! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Ah, le jour où je passerai la zone jungle et qu'on atteindra l'autre monde, je débouche le champagne en direct. Sera tellement énorme. Oula. Ah. Eh bien. Eh, il allait chercher ma devise sur mon titre de chaîne. Malin, Wisebot, malin. Ouais, ouais, il a, quand même, Wisebot, il est malin. Malin comme un singe. Oh non. Oh, oh, cette violence. Et puis repique. Repique par dessus. No. Burp. Oui, joli. Oh, pas joli, j'ai pas regardé là où j'ai atterri. Le truc suicidaire que je vais me faire. Voilà, merci la bombe. Ouais. Oh non. Non. Je demande de vous arrêter. Non, la blonde, viens, 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 viens. Viens, la blonde. Auprès de ma blonde, di do da do di do da. Tu vas là-bas. Ouf. Non, caisse explosive, je peux pas. Je prends un caillou, c'est pour moi. Oui, j'ai la patate. Jolie.
La blonde est morte. Ah, c'est moche. Et je me barre. Mais la blonde m'aura servi. Quoi? Est-ce qu'un troll informatique peut vivre dans une forêt? Mais plutôt dans les lignes de code. Eh, joli! J'aime bien la réponse de Wisebot. Une autre manière de désigner les bugs. Les trolls informatiques, ouais. Joli. Oh, Nutel. Non, c'est pas Nutel de Cali, c'est un je sais plus quoi. Ah! J'étais le danger. Pour relimiter peur à l'avancée de l'IA a progressé de manière fulgurante ces dernières années. Bah, c'est même pas ces dernières années, c'est-à-dire que les IA ont progressé ces derniers mois. Je reconnais pas en fait les IA, j'ai presque envie de dire d'avant 2022. Mais de toute façon, il y a les politiques qui ont dit. Je crois qu'il y a eu un message de l'Europe envers les concepteurs d'IA en disant attention, on n'a pas le temps de programmer on n'a pas le temps de légiférer et d'encadrer les pratiques. Et on vous invite à une extrême prudence, sagesse, quand vous développez des IA, à ce que vous ne créez pas un monstre Frankenstein dans l'idée. Et c'est vrai qu'il faut faire super gaffe. Parce qu'il y a je sais plus quel organisme de renommée internationale, là, il y en a tellement, qui disait attention, les IA, ça pourrait causer notre perte. On pourrait être tué par notre créature. Comme on dit dans les fictions. Et les IA pourraient nous supplanter au point de causer notre propre perte. Donc à l'image par exemple de Skynet, quand on pense à Terminator que j'adore, comme saga. Par exemple, mais évidemment, les fictions regorgent d'avertissements dans ce genre. Ah, j'ai pas la clé. Y'a pas la clé. Arr. À moi le crâne de la richesse. À moi le crâne de la richesse. Oh. Oh, 5000, c'est indécent. C'est la tounache. Non, 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 trois petits ennemis. Quick. Ouf. Ah, ouf. Non, l'esclave, je vais pas l'acheter, l'esclave. Oh. Je vais acheter des... ce serpent est redoutable. J'aurais aimé acheter un 12 bombes. Oh. Oh non, vous êtes des monstres. Non. Ah. Oula. Ah, ils ont tous brisé leur flèche. Visiblement. Et là, bon. Je sais pas si je peux attendre en face. Alors, pour quel intérêt me direz-vous? Si, il y a de la thunasse. Il y a de la thunasse. je snob les petits lingots. Je snob les petits lingots. Joli! Oh, c'est de dextérité! C'est beau! Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Non. Trop pauvre. Y'a pas gâché de ma touche. Ah! Ah! Sacrilège! J'ai été réduit en bouillie! Oui, je me suis fait complètement ratatiner. Oups. Bon, allez, dernière tentative et puis on va aller chez FunFan après. Pour la technologie, c'est un bon en avant considérable, mais pour l'humain, j'ai peur que dans les prochaines années, on ait plus l'envie de chercher nos informations, nous demander directement une IA.
Comme pour Google qui était censé nous instruire, au contraire, ça nous a abrutis. Ah bah, faut toujours penser à l'effet pervers, mais tout le monde n'y pense pas. Ou alors, il y a l'appât du gain, quand on a une poule aux œufs d'or, qui efface... Enfin bref, vous m'avez compris. Ah, c'est dans la nature humaine. Non mais c'est vrai que pour en revenir aux IA, si vraiment je pense à l'alerte Skynet, si on met au point Skynet et que ça nous annihile, c'est... Enfin bref. Moi j'ai hâte de voir l'IA qui est conçue pour le bien-être de l'humanité. Quitte à faire des sacrifices, mais en étant en quelque sorte une IA politique sage et comment dire, pas diplomate, enfin si aussi diplomate, il faudrait avoir cette qualité là, mais comme on dit, qui sait expliquer les choses, pour qui saura se justifier pour je fais ce choix qui est difficile, mais le gain à terme sera plus grand que les premières pertes. Quand il y a des choix difficiles à faire. Assez pragmatique, assez... ouais, diplomate, tout ça. Non, enfin, pragmatique, c'est pas le bon terme. Oula, je suis nimp. Bref. J'ai peur que l'IA pour le bien-être de l'humanité soit pas encore d'actualité. Je l'ai vu au moment où je me suis jeté. Je suis un gros noob. Bon bah on reverra pas la jungle de la journée, hein, je vous le dis, on l'aura vu une fois, c'est... J'avais espoir de... J'aurais dû sauter. Oh, allez, il reste encore 3 minutes, j'abuse, et puis ça te laisse le temps de te préparer. C'est quoi cette violence? Eh ben moi avec un crâne j'ai pu faire 2 flèches. Wouah. L'intro de la mort, là, faut arrêter. Oh non, et puis en plus, le butin, il est nul. Et le gars, il est... Je vais te fouetter. Boue, les vilaines, boue. Et bah tiens, je vais me faire une joie de me venger contre les distributeurs de flèches. Et encore, j'en ai eu 15 sur les 2. Attends. Ah. On va avoir le bon réflexe. Bon. Ah. Merde, je l'avais pas vu au-dessus. Con, je voyais l'autre. Je voyais l'autre, mais... Ouf. Comme tu dis... Ah. Hop, je me barre. Je suis lâche. Je m'enfuis. Du coup, j'ai un butin absolument naze. C'est là où je vais avoir un marchand qui va me poser une boîte de 12 bons. Je pourrais même pas l'acheter. À 10 000 dollars. Oui. Les... Oups. Ah bah. Ah, ça va, c'est des petits sacs de bombes. Je peux en acheter un. Qui met que... Hop là. Hop. Non, il n'y avait rien de... Oh, bah alors, c'est quoi cette config de... Oh là là. Oh non! J'ai merdé mon lancer de cailloux. Oh magnifique. Merde, il y en a une autre. Oh joli! Oh, je suis fier de mon enchaînement là, pour une fois. Pour une fois. Do-do-do.
Merde, je voulais pas lancer de bombe. J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai brisé un truc. Oh! Oh! Ah! Ah, je me suis merdé! Ah, alors là, je suis dans une mouise. L'assaut! Non! Je peux pas faire le lasso quand je suis... Ah! Bon, Fun Fan, t'es prêt ou... ou je me refais gangbanger? Dis-moi tout. Oh, c'était violent. Ah, t'es bon. Génial, je vais te faire un relais de chaîne. Allez, je me plante. Je vais rester planté là. Simuche. Ah, c'était rigolo. Eh ben, merci à vous d'avoir regardé. Je suis un gros vilain qui fait un Alt F4. Vous voyez du coup ma défrag sur mon répertoire, enfin mon disque de jeu. Parce que je vais télécharger en masse tout à l'heure. Il faut que je prépare le terrain. Merci à vous d'avoir regardé ce petit moment de Spell Lucky. On va filer chez FunFan. Je remercie pour la modération depuis ce matin. On va faire l'épisode commenté. Il va continuer 200 froid sur PlayStation. Merci Bastos d'avoir été actif dans le chat et d'avoir fait un coucou, ça fait plaisir. Bon week-end à toi. Enfin bon week-end. Bon samedi, puisque c'est jour de repos, je sais que demain tu bosses. Bon courage à toi par avance, justement. Ce qui est dur. Alors, relais chain chez le Fun Fan Nounet. Elle est où mon interface de contrôle? Que je fasse le WED. Que je fasse le WED. Et tu vas me dire que la vocale Discord privée est ouverte. Le Discord. Oui, monsieur, je vous vois. Problème, de toute façon, je fais toujours un montage le samedi. Je vous reçois, monsieur FunFan. Attention, on vous écoute. Alors, c'est pas grave, on improvise tout. C'est ça qui est beau. Ah, ah, je débarque chez toi, pan. Voilà. C'est parti, mon coquille. Moi, je remercie les anonymes qui me regardent et puis sur YouTube. Sur YouTube. Mon dieu. Attends, j'ai des trucs qui se déclenchent de tout partout. J'ai entendu double. Comment ça, tu m'entends en double? J'ai pas mais